pour faire peur à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Le diable travaille tous les jours. Le Seigneur aussi travaille tous les jours. Alléluia. Mais nous voyons que ces activités de mort, en fin d'année, se multiplient. On dirait qu'en fin d'année même, il accélère les choses. Alléluia. J'étais quelque part, je crois, derrière là, pour faire les affiches. Et puis, quelqu'un parlait, et puis, il disait, en fin d'année là, pourquoi il y a tout l'accident comme ça? C'est quelqu'un qui a parlé pour nous dire, c'est là que l'ennemi m'a dit, il dit, que c'est là qu'on renouvelle les alliances et les vœux. Les pactes, voilà. Ça, c'est le bon temps. Il dit, c'est le temps de renouveler les pactes. Gloire à Jésus, alléluia. Et il m'a dit, c'est le temps de renouveler les pactes. Je ne sais pas. Lui-même, je l'ai regardé comme ça d'abord. Il s'est sorti de sa bouche. Je dis, c'est le temps de renouveler les pactes. Il y a des personnes, vers la fin de l'année, le diable réclame certaines choses. C'est là qu'il y a des sacrifices, il y a des morts dans les familles, il y a des accidents. Ça, c'est le renouvellement des pactes. Mais nous sommes comme les enfants d'Issacar. Alléluia. Dieu nous donne de voir les temps qui viennent. Alléluia. La Bible dit que les enfants d'Issacar avaient la révélation des temps. Gloire à Jésus. Il avait la révélation des temps. Quand tu as la révélation des temps, alléluia, tu prends l'avance sur l'ennemi. Alléluia. Avant même qu'il ne se prépare, toi tu l'as déjà battu. Alléluia. Nous sommes des vainqueurs. Alléluia. Parce que nous sommes de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous donne la force et la puissance de vaincre nos ennemis. C'est pourquoi je crois que ces projets de mort contre nos vies sont vécus au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors ce matin, notre thème se trouve dans notre thème. Notre test qui va nous conduire dans la prière se trouve dans le livre des Actes, alléluia, chapitre 12, versets 7 à 10, versets 5 à 10, écoutez bien. Versets 5 à 10. Actes chapitre 12, du verset 5 au verset 10. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Qui est donc était gardé dans la prison? Pierre était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, Un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté et en disant. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit. Mets ta
ceinture et tes sandales. Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore. L'ange lui dit encore. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Mm-hmm. Et s'imaginant avoir une vision. Mm-hmm. Lorsqu'il eut passé la première garde, lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville. Alléluia. Mm-hmm. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent. Et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Bien-aimé, le thème, c'est notre thème de notre programme qui va débuter le mardi. Alléluia. Et je prie que tu sois là. Gloire à Jésus. Le thème, c'est Éternel, enlève-moi des portes de la mort. Alléluia. Éternel, enlève-moi des portes de la mort. Bien-aimé, je prie qu'en cette fin d'année, que Dieu t'enlève des portes de la mort au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Je proclame que tu ne mourras pas. Tu vivras. Amen. Alléluia. Amen. Tu vivras. Amen. Parce que ton Dieu est le Dieu qui tient la clé de la mort. La Bible nous dit dans Apocalypse, je crois, 2, verset 11. La Bible dit qu'il est celui qui tient la clé de la mort et des séjours des morts. Alléluia. Il est capable de t'enlever les portes de la mort. Alléluia. Que la gloire lui revienne. Bien-aimé, enlève-moi. C'est une prière. Enlève-moi des portes de la mort. Vous savez, quand la Bible parle des portes de la mort, elle parle de quelque chose qui est plus spirituel que physique. Quelqu'un m'entend? Je dis, quand la Bible parle des portes de la mort, elle parle de quelque chose qui est plus spirituel que physique. La Bible nous dit dans Jean 10, verset 9, elle nous dit, et c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit, je suis la porte par laquelle tu dois passer pour arriver au ciel. Donc Jésus est une porte spirituelle. Alléluia. Jésus est la porte du royaume des cieux. Il est la porte de la vie éternelle. Gloire à Jésus. Jésus est une porte spirituelle. Il dit, c'est par cette porte-là. Jésus même, il dit, un peu plus haut, il dit, je suis la porte des brebis. Gloire à Jésus. Jésus est une porte spirituelle. Et vous savez, les portes spirituelles sont plus puissantes que les forces, que les portes physiques. Oui, elles sont plus puissantes que les portes physiques. Vous savez, lorsque une porte spirituelle est fermée contre toi, alléluia, contre toi, dans un endroit bien aimé, tu ne peux rien obtenir. Quand une porte spirituelle est fermée contre toi, tu ne peux rien obtenir. Lorsque la porte spirituelle du mariage est fermée contre toi, bien-aimé, jamais tu ne peux te marier. Même si tu es plus belle que Miss Univers, tu ne vas jamais te marier. Lorsque la porte spirituelle des grandes sociétés se ferme devant toi, bien-aimé, faut faire, peu importe tes diplômes que tu as,
Même si tu as des diplômes bien-aimés, tu ne peux pas entrer dans ces sociétés-là. Alléluia. Tu ne pourras pas entrer. Lorsque la porte de la fonction publique est fermée pour toi, bien-aimé, il faut être le plus intelligent. Même si tu connais pas pied, tu as des diplômes, jamais tu ne vas entrer là-bas. Vous savez, le monde spirituel, les mondes spirituels contrôlent le monde physique. Alléluia. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Alléluia. Alors, les portes spirituelles, vous savez, elles sont invisibles. On ne peut pas les voir. Tu ne peux jamais les voir. Mais elles ont presque les mêmes fonctions que les portes physiques. Alléluia. Vous savez, la porte même est un point d'entrée de sortie des lieux. Nous sommes arrivés ici. Nous sommes entrés par la porte. Nous sommes arrivés dans ce lieu, nous sommes entrés par la porte. Mais quand nous allons finir pour partir, nous sortirons par une porte. La porte est utilisée pour garder les choses. La porte est utilisée pour enfermer les choses. Donc, dans le monde spirituel, la fonction des portes, ce que les portes font là-bas, c'est la même chose que nous voyons, alléluia, dans le monde physique. Les portes, même nos trésors, l'argent des banques, sont gardés par des portes qui ont des clés. Donc, dans le monde spirituel, il y a des portes. Il y a des prisonniers sur la terre ici qui sont gardés par des portes, enfermés par des portes. Donc, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Il y a des prisonniers spirituels qui sont gardés par des portes. Bien aimé, la Bible nous dit que Pierre était gardé, enfermé dans les portes de la mort. Pierre était gardé et enfermé dans les portes de la mort. Et la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire mourir, bien aimé, quelque chose s'est passé. La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Bien aimé, je veux te dire ce matin que la prière est l'arme la plus puissante. La prière, c'est la prière qui active la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que la Bible nous dit que ce jour-là, le jour, la nuit qui a précédé le jour où on devrait tuer Pierre, le Seigneur a envoyé son ange pour enlever Pierre des portes de la mort. Amen. Alléluia. Enlever des portes de la mort. Et avant ça, quelque chose préparait ce miracle-là. Alléluia. La Bible nous dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Gloire à Jésus. Bien aimé. Je prie ce matin que Dieu exauce ta prière au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va exaucer ta prière ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit que Paul et Silas, ils étaient en prison. Lorsqu'ils ont prié, alléluia, la Bible nous dit que les portes de la prison furent ébranlées. Alléluia. Alléluia. Furent ébranlées. Et au même instant, les portes de la mort, les portes de la mort s'ouvrirent. Alléluia. Dieu les a enlevées des portes de la mort. Alléluia. Je prie que Dieu enlève des portes de la mort au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est la prière qui attire la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Ce matin, comme l'Église,
je prie que ta prière que tu vas adresser à Dieu pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, bien aimé, pour tes frères et soeurs, cette fin d'année, que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Je crois que Dieu va t'exaucer au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, quelqu'un, regardez même notre thème qui dit, enlève-moi des portes de la mort. Quand vous prenez le verset, le psalmiste, c'est une prière du psalmiste. Alléluia. Il dit, aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où mes ennemis me réduisent. Enlève-moi des portes de la mort. C'est une prière. Alléluia. Et Dieu l'a exaucé. Gloire à Jésus. Aie pitié de moi. Bien aimé, quand j'ai entendu même ces premières paroles, aie pitié de moi, ça m'a rappelé un peu patiné. Alléluia. La Bible nous dit que quand il a vu Jésus, il a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et ces appels répétés à la pitié du Seigneur, bien-aimé, ne sont pas restés sans effet. Alléluia. Jésus s'est arrêté et Jésus l'a guéri. Alléluia. Alléluia. Jésus a enlevé des portes de la cécité. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Bartimée a recouvert la vue. Gloire à Jésus. Bien aimé, c'est la prière qui active la puissance de Dieu. Et je dis que ce matin, ta prière que tu vas faire ne va pas rester sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu va exaucer ta prière. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit que Pierre était où? Il était dans la prison. Et qu'est-ce qui se passait? Il était enchaîné par deux chaînes et il dormait entre deux soldats. Deux soldats et des sentinelles gardaient la porte de la prison. Bien aimé, ce matin, je suis venu ouvrir tes yeux spirituels pour que tu saches que les portes spirituelles de la mort sont les portes qui t'empêchent, ce sont des portes puissantes qui t'empêchent de sortir de l'endroit où tes ennemis t'ont enfermé. Ce sont des portes qui t'empêchent de sortir de l'endroit où tes ennemis t'ont enfermé. Regardez comment ils étaient gardés par des soldats, par des sentinelles. Bien-aimés, tout était mis en place pour ne pas qu'ils puissent s'échapper. Je vais te dire que ta destinée, ta vie, bien-aimés, dans le monde spirituel, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes ici qui vraiment ne voient pas leur vie avancer malgré leurs efforts. Bien-aimés, je veux que tu comprennes que ta vie est gardée, est tenue captive, enfermée par des portes de la mort. Mais ce matin, Dieu va envoyer ton âme, son âme, alléluia, pour te faire sortir de cette porte au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va envoyer son âme pour te faire sortir de cette porte au nom de Jésus. La Bible nous dit que l'ange du Seigneur est arrivé et une lumière brilla dans la prison. Alléluia. Une lumière brilla dans la prison. Bien aimé, ce matin je déclare que la lumière de la résurrection va briller dans ta vie au nom de Jésus. La lumière de la délivrance va briller dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Une lumière brilla. Gloire à Jésus. Brilla dans la prison, là où on t'enchaînait, là où, bien aimé, où on a tué ton destin, une lumière va briller dans ce lieu. Alléluia. Dieu va faire envoyer son ange pour te libérer, pour t'enlever des portes.
de la mort au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Et quand l'ange est arrivé, il a fait quelque chose. La Bible dit qu'il a réveillé qui? Il a réveillé Pierre. Alléluia. Et quand il a réveillé Pierre, il a dit quatre choses à Pierre. Quatre choses importantes à Pierre. D'abord, il a réveillé. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que la mission de l'ange, quand il vient, c'est pour apporter le réveil dans notre vie. Alléluia. L'ange vient pour porter le réveil dans votre vie. Et quand il vient, il dit quelque chose à Pierre. Il dit à Pierre, lève-toi promptement. Bien-aimé, quand le réveil arrive dans ta vie, là, tu agis sans tarder. Alléluia. Les enfants de Dieu qui vivent une vie réveillée, là, ce sont des enfants, des chrétiens qui agissent sans tarder. Alléluia. Quand on leur dit que c'est le temps de l'évangélisation, ils agissent sans tarder. Alléluia. Ils savent qu'il y a le réveil. Quand une église vit le réveil, bien aimé, ils agissent sans tarder. Ils disent lève-toi promptement. Ils se lèvent promptement pour servir le Seigneur. Alléluia. Ils se lèvent promptement. Quand le réveil arrive dans ta vie, et l'ange lui a dit, mets ta ceinture. Mets ta ceinture. Vous savez, la ceinture, c'est une arme spirituelle. Alléluia. L'arme de la vérité. Gloire à Jésus. Et il faut porter l'arme de la vérité. La vérité. Il faut garder la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est cette parole-là qui peut te sortir des problèmes. Quand nous gardons la vérité de la parole de Dieu, on me dit, lève-toi promptement, agis sans tarder, et mets ta ceinture, alléluia, et après, il va dire encore à Pierre, enveloppe-toi de ton manteau, bien aimé, le manteau, c'est le symbole de l'autorité que Dieu nous donne, alléluia. Le Seigneur nous a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça, c'est l'autorité. Il dit, enveloppe-toi de ton manteau. Pour dire quoi? Que l'enfant de Dieu doit toujours revêtir l'autorité de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'autorité devant les situations. Il doit manifester l'autorité de Dieu. Gloire à Jésus. Et enfin, il va dire, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Le Seigneur dit, celui qui veut venir après moi, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Qui se charge de sa croix? Alléluia. Vous savez, Jésus a subi beaucoup de choses. Il a affronté des difficultés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous chrétiens, sont prêts à affronter, à subir certaines choses. Et en plus de cela, même à garder la foi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont découragés. Ils abandonnent la main de l'Éternel. À la moindre situation de difficulté, ils ne peuvent plus. C'est pourquoi Jésus, c'est pas là, je dis, suis-moi. Bien aimé, ce sont les gens réveillés qui peuvent sortir de la porte des morts. Alléluia. C'est ce que l'ange est en train de dire à Pierre. Il faut que tu agisses promptement. Lève-toi promptement. Il faut porter la ceinture. Garder la parole de Dieu. Et porter, t'envelopper de ton manteau. Le manteau de l'autorité. Et quelles que soient les situations, il faut garder la foi. Alléluia. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Et la Bible nous dit que l'ange et Pierre vont traverser la première et la deuxième garde. Alléluia. Et ils vont arriver devant la porte de fer qui mène à la ville. Bien aimé.
aimé, je suis venu t'apprendre ce matin. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible parle des portes de la mort. Bien aimé, il y a plusieurs portes dans lesquelles certaines personnes sont enfermées. Plusieurs portes. Pierre nous parle de la première et de la deuxième date. C'est-à-dire la première porte et la deuxième porte. Ensuite, ils sont arrivés à la porte de fer. Bien aimé, dans le monde spirituel, il y a plusieurs portes. Il y a la porte du mariage. Il y a la porte du succès. Il y a la porte des opportunités. Il y a la porte de la réussite. Les portes sont nombreuses. Alléluia. Les portes sont nombreuses. Et comme Pierre, quand tu arrives à franchir la première porte, il y a une autre porte qui s'oppose à toi. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, c'est vrai, qui ne se mariaient pas, mais qui se marient. Donc ils ont franchi la première porte. Et puis après, vous allez voir qu'ils n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire qu'il y a une autre porte qui s'oppose à eux. Alléluia. Ils n'ont pas d'enfants. Tout aussi, on travaille. Ils ont conservé, ils ont trouvé le travail. Alléluia. Mais ils n'ont pas de mariage. La porte du travail est vécue. Mais la porte du mariage n'est pas vécue. Alléluia. Il y a plusieurs portes. Pierre et l'ange ont franchi la première porte de la première date. Bien aimé, pour dire quoi? Pour te dire que la porte qui est fermée à ton mariage peut ne pas être la même que celle qui est fermée à ta vie financière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La porte qui est fermée à ton mariage peut ne pas être la même qui est fermée à ta vie financière. Il y a plusieurs portes. Plusieurs portes. Tout ça pour ne pas te voir, pour ne pas que Pierre puisse s'échapper. Pour ne pas te voir, pour ne pas que tu puisses entrer dans tes bénédictions, que tu puisses connaître la gloire que Dieu a préparée pour toi. Dieu est à la porte de la mort. Bien aimé, et la Bible nous dit qu'ils sont arrivés devant la porte de fer. Alléluia. Ils sont arrivés devant la porte de fer. C'est une porte difficile. Difficile à traiter, difficile à vaincre. Et c'est une porte qui est utilisée pour verrouiller les étoiles des hommes qui sont ou qui seront une menace pour le diable. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les hommes dont le diable voit un grand avenir, ces personnes-là sont enfermées dans des prisons, sont enfermées par des portes de la mort. Pierre avait un grand témoignage. Jésus lui a dit, je vais te donner les clés du royaume de Dieu. Satan l'a enfermé pour le tuer. Bien aimé, je veux te dire que tu portes un grand avenir. Alléluia. Tu portes un grand avenir. Et ta situation, c'est tout simplement parce que le diable veut t'empêcher d'atteindre cet avenir-là. Mais Dieu s'est levé ce matin. Il dit qu'il va t'enlever des portes de la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, la porte qui est la raison de ton échec ce matin va être brisée au nom de Jésus. Amen. Je dis, la porte qui est la raison de ta souffrance ce matin va être brisée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils arrivent devant la porte, c'est une porte difficile à traiter. Mais la Bible nous dit que quand ils sont arrivés devant la porte de fer, cette porte de fer s'est ouverte d'elle-même. Alléluia. Par la puissance de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, il y a une porte de fer qui mène à ton mariage. Il y a une porte de fer qui mène à ta réussite. Il y a une porte de fer
qui mène à ton élévation, à ta grandeur. Et qui a besoin de s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Qui a besoin de s'ouvrir. Les portes de la mort. Bien aimé, quand on parle de la mort, on ne parle pas seulement de la mort physique. Les portes, la maladie même est une porte de la mort. Alléluia. Les portes de la mort, elles sont nombreuses. Il y a une porte de fer que tu dois franchir avant d'atteindre ta bénédiction. Mais ce matin, le Seigneur veut te faire une grâce particulière. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Que cette porte-là s'est ouverte d'elle-même. Alléluia. Alléluia. Parce que quelqu'un dit, il dit que toute porte que moi je vais fermer là, personne ne pourra l'ouvrir. Les portes aussi que je vais ouvrir là, personne ne pourra les fermer. Alléluia. Ton Dieu, l'Éternel des armées, va t'ouvrir cette porte de fer au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Les portes de fer qui t'empêchaient d'entrer dans ta destinée vont s'ouvrir ce matin d'elles-mêmes au nom de Jésus. Parole de l'Éternel. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'ai une parole importante pour toi ce matin. Je veux que tu l'entendes. Je crois que cette parole est dans Esaïe, on va la lire et on va passer à la prière. 60 verset 11. Écoutez bien. Esaïe 60, verset 11, c'est une parole pour toi ce matin. Esaïe 60, verset 11. Esaïe 60, verset 11. Esaïe chapitre 60, verset 11. Écoutez, oui. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes, c'est l'Éternel qui te parle. Il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Alléluia. Amen. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Les ressources des nations. Et leur roi avec leur suite. Et leur roi avec leur suite. Alléluia. Ce que tu peux acclamer le Seigneur. Bien aimé. J'aime cette dimension de porte. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu ne dit pas que ta porte sera ouverte et que tu iras chercher ta bénédiction. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Mais il dit que les hommes et les rois vont s'aligner devant toi, devant ta porte, avec des bénédictions. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ça, c'est la porte de la faveur de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est une porte que Dieu ouvre par sa faveur. Alléluia. Regardez. Jésus, à sa naissance, il était dans la crèche à Bethléem. Et la Bible nous dit quoi? Que des hommes ont parcouru de grandes distances pour venir lui offrir des cadeaux qu'il n'a même pas demandé. Alléluia. Il n'a même pas demandé. Gloire à Jésus. Ça veut dire tout simplement que la porte de la faveur, que quand Dieu ouvre ça sur toi, bien-aimé, ce que les hommes poursuivent là, va te poursuivre au nom de Jésus. Alléluia. Ce que les autres cherchent, c'est-à-dire le travail, tout ce qu'il cherche là. Bien-aimé, ces choses-là viendront à toi. Alléluia. Ces choses viendront à toi. Je me souviens, moi j'ai connu cette dimension de porte ouverte, la porte de la faveur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, je vous ai donné ce témoignage-là. Quelqu'un vraiment me mettait la pression pour quitter sa maison. Et j'étais là. Je partis à quelqu'un et je passais tout simplement. Et puis le monsieur appelle avec sa femme. Il dit, j'ai une maison, je vais te la donner. Alléluia. Je ne suis même pas allé voir, jamais je vais échanger avec lui sur ce sujet-là.
père, il dit, voici les clés. Et puis me donne les clés. Alléluia. Ça, ce sont les portes de la faveur de Dieu. Alléluia. Et je prie que cette porte-là s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Les portes de la faveur de Dieu s'ouvrent sur ta vie au nom de Jésus. Et la Bible dit, elles seront ouvertes le jour comme la nuit. Alléluia. C'est-à-dire, jamais elles seront fermées. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce matin, je suis venu t'annoncer qu'il y a des portes de la mort qui sont contre ta vie. Des portes de la mort dans lesquelles le diable et les sorciers t'ont enfermé, t'ont gardé, pour ne pas que tu puisses atteindre le projet que Dieu a préparé pour toi. Mais ce matin, l'Éternel dit qu'il se lève et va t'enlever des portes de la mort au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, Dieu va briser toutes les portes. Il va ébranler les portes des prisons ce matin. Alléluia. Les portes qui t'empêchent d'entrer dans le mariage. Les portes qui t'empêchent d'entrer dans la guérison. Les portes qui t'empêchent d'entrer dans la promotion, dans la grandeur. Ce matin, l'Éternel va les réduire ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Et ces portes-là vont s'ouvrir au-devant de toi. Alléluia. Vous savez, on parle des portes qui vont s'ouvrir. Allez à la pharmacie là. Vous savez, dans le monde spirituel, on a dit que les fonctions des portes là, dans le monde spirituel là, ils ont presque les mêmes. C'est les mêmes sur le plan physique. Tu arrives à la pharmacie, même d'ici là, tu arrives là, ça fait. Alléluia. Bien aimé. C'est comme ça que Dieu va ouvrir les portes de la mort. C'est comme ça que Dieu va ouvrir les portes du célibat pour que tu puisses entrer au nom de Jésus. Alléluia. Elles vont s'ouvrir. Elles vont s'ouvrir. Alléluia. Vous savez, ces portes-là, parfois, elles s'ouvrent. Parce que toi-même, tellement elles sont gardées. Alléluia. Tu as besoin de l'assistance de Jésus. Alléluia. Il faut un ange pour que tu puisses. Parce que toi seul, tu ne peux pas les vivre. Alléluia. Je t'annonce que ce matin, Dieu va envoyer son ange du ciel pour t'aider à ouvrir ses portes. Pour t'aider à traverser les portes de fer qui mènent à ta bénédiction, qui mènent à ta guérison, qui mènent à ta grandeur, qui mènent à ta prospérité. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Nous allons prier contre les portes de la mort. Alléluia. Est-ce que le groupe musical peut m'aider? Ensemble, nous allons élever ce chant pour la gloire. Nous allons chanter ce chant qui dit Dieu a eu armée. Il se met pour lui obéir. Dieu a dit amen. Qui se met pour lui obéir. Dieu a dit amen. Lève la main. Je l'ai pour lui obéir. Dieu a eu amen. Il se lève pour le faire vivre. Peuple de Dieu lève. Yeah.
Alléluia. Que veut par ta bouche parler au porte de la mort. Alléluia. Nous sommes en train d'aller que les portes de la mort se ferment. Alléluia. Contre la vie. Toutes les portes ouvertes de la mort contre ta vie doivent être fermées et brisées. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, ça répétez après moi. Que toute porte de la mort, répète, que toute porte de la mort, qui est la raison pour laquelle je ne suis pas encore marié, je ne suis pas encore élevé, soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
prier. Continue de prier ce matin. Brise les portes de la mort. Les portes de la souffrance. Les portes de la souffrance. Les portes de l'humiliation. Brise les portes de la pauvreté, de la misère. Thank you.
continue de prier, continue de prier, continue de prier. Vous dit que
quand l'ange a roulé la pierre, il s'est assis sur la pierre du tombeau. Amen. Vous savez pourquoi il s'est assis sur la pierre? Moi, je crois que la pierre de la porte de la mort sur ta vie a été ouverte ce matin. Amen. Et vous savez ce qui se passe? Il y a un ange qui est assis dessus. Vous savez pourquoi il est assis dessus? Parce que il veut voir le garçon qui va remettre cette pierre là sur ta vie. Alléluia, tu la porte de ta vie encore. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, nous allons prier. Il y a la porte de la faveur. Alléluia. Quand cette porte-là s'ouvre, elle s'ouvre d'elle-même. Alléluia. Et bien, la porte s'ouvre d'elle-même. Tu n'as pas d'effort à faire. Alléluia. C'est-à-dire, ce que les autres poursuivent là, c'est ça qui te poursuit. Alléluia. Il y a d'autres qui poursuivent le mari, mais le mari viendra à toi au nom de Dieu. Alléluia. C'est la porte de la faveur. Et cette porte-là, le Seigneur dit, elle ne va jamais être fermée ni le jour ni la nuit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Père éternel. Père éternel. Ce matin. Ce matin. Ouvre la porte de la faveur. Ouvre la porte de la faveur. Ta porte de la faveur. Sur ma vie. Sur ma vie. Sur ma vie. Sur ma vie. Au nom de Jésus. De la même manière que quand Jésus était dans la Grèce, ces hommes ont parcouru des distances, de longues distances, pour venir lui offrir des cadeaux qu'il n'a pas demandé. Et les rois de cette nation, les hommes de cette nation, parcourent des distances pour venir m'offrir ce que je n'ai pas demandé. Au nom de Jésus, Père éternel, ce matin, ce que les autres poursuivent, au nom de Jésus, je commande que ces hommes-là me poursuivent. Au nom de Jésus, l'argent que les autres poursuivent, je commande que l'argent me poursuive. Au nom de Jésus, la royauté que les autres poursuivent, je commande que la royauté me poursuive. Au nom de Jésus, la prospérité que les autres poursuivent, je commande que la prospérité me poursuive. Au nom de Jésus, Père éternel, ouvre grandement les portes de ta faveur et favorise-moi. Favorise-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pendant que je bats les mains, puissamment, je crois dans mon cœur. De l'époque de la mort, de l'époque du ténèbre, de l'époque de la faveur de l'éternel, sous elle-même sur ma vie, sous elle-même, l'époque que je voudrais, c'est sous elle-même sur ma vie. Il faut toi-même les appeler, il faut toi-même les appeler, de l'époque du mariage, sous elle-même sur ma vie, l'époque de la richesse, sous elle-même sur ma vie. À souffrir, bien-aimé, à souffrir, ce sont les portes de la faveur de Dieu ce matin, souffre sur vos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, appelle-les, au nom de Jésus, à acheter les autres, poursuivre, que ces choses-là commencent à te poursuivre maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on peut le prier, appelle-les. Que l'ennemi a prêté sous bien même qui t'a dit au nom de Jésus. Gloire à Jésus, alléluia. On va se tenir debout et dire merci au Seigneur.
On va tous se tenir debout et on va remercier notre Dieu. Tu vas prier, tu vas dire merci au Seigneur. Tu t'enlèves des portes de la mort. Tu ouvres lentement les portes de la vie, de la résurrection. Il y a une lumière qui brille dans ta vie. Je vois une lumière qui brille dans la vie de Béni de Max. Alléluia. La lumière de la restauration. La lumière de la résurrection. Alléluia. Il y a des choses qui sont mortes dans sa vie. Ce matin, il y a une lumière qui brille. C'est la lumière de la résurrection. Alléluia. C'est la lumière de la résurrection. Alléluia. Donc, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Et crois que ces choses vont s'accomplir. Crois que ces choses vont s'accomplir. Bien-aimé, à côté de ce jour, jusqu'à la fin de l'année prochaine, tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia. Tu verras ses portes s'ouvrir. Ce mois est ouvert par la porte de la mort, les portes de la mort. Mais tu viens de prendre autorité. Tu viens de prendre possession des portes de la vie. Alléluia. Pour entrer dans l'année 2026. Avec toi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Merci pour les chaînes de captivité qui sont rompues sur nos vies. Au nom de Jésus, nous te disons merci, Seigneur, parce que nous voyons que les portes de la mort dans lesquelles nous avons été enfermés, nos bénédictions ont été enfermées, sont brisées et réduites ensemble au nom de Jésus. Nous te bénissons ce matin pour l'assistance de ton ange qui est descendu pour nous faire traverser les portes de fer qui nous étaient difficiles, les portes qui nous empêchaient d'entrer dans nos bénédictions, les portes qui mènent à nos bénédictions. Ce matin, nous croyons que nous sommes entrés, que tu nous enlèves des portes de la mort au nom de Jésus. Et nous voyons, oh Dieu, que les portes de ta faveur sont ouvertes sur nos vies au nom de Jésus. Que toutes portes, Père, nous voyons qu'elles s'ouvrent elles-mêmes, Seigneur, devant nous. Les portes de la gloire, les portes de la richesse, les portes de la prospérité, les portes de la victoire sur les démons et les sorciers de nos familles. Oh, nous sommes brisés au nom de nous d'avoir la victoire sur eux. Et dans cette fin d'année, Seigneur, ta main protectrice, Seigneur, nous couvre par la porte de la faveur. Au nom de Jésus, nous te célébrons et nous prions notre victoire, acclamant fortement sur la terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.